Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très très en retard, voyez, c'est pour les fascicules fimo. Alors je suis complètement à la bourre, hein, pas l'amour, je confirme, sur la présentation des fascicules et puis ben, du coup également par pour les créations. En plus, demain, il y a déjà le numéro 12 qui sort. Donc, vous voyez. Donc, j'ai le numéro 10, j'ai le numéro 11. Donc, voilà. Alors, le numéro 10, le voici. On a eu en cadeau. Alors, vous voyez, je ne les ai même pas encore. Je viens juste d'enlever les plastiques. Je n'ai même pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait. Alors, en cadeau, on a eu un... pâte fimo le numéro 70. Alors si je me trompe pas, c'est le sable, le Sahara, voilà, j'étais pas loin. Donc le numéro 70 couleur Sahara, et on a eu des cannes fruits, voilà. Alors allez, hop. Alors, je sais pas si vous allez bien les voir à la caméra parce qu'elles sont toutes petites petites, voilà. Alors les cannes fruits, voilà. Alors les cannes fruits, c'est de la fimo, hein. Bon, ça, celles-là sont, c'est normal, je pense que c'est fait à la machine, hein. Je pense pas que c'est fait à la main. Donc c'est un assemblage de différentes pâtes fimo et à la fin ça donne un dessin. Alors voilà, j'espère que c'est pas trop flou. Donc on a le kiwi ici en vert, en plus on n'a pas de luminosité, hein. Là, le citron, et là la fraise, voilà. Donc ce qu'il nous demande de faire cette fois-ci avec, donc c'est ça, c'est cette petite tartelette, voilà. Vous voyez, donc pour mettre au-dessus d'un bocal, mais bon, pour faire un bijou, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc il nous parle donc du matériel. Vous pouvez aussi avec les cannes, par exemple, voyez, sur les ongles, pour garnir vos ongles. La page technique. Donc, il nous explique comment travailler la pâte fimo en toutes circonstances. Voilà. Ensuite, il y a l'explication donc pour faire la tartelette, hein, avec les fruits. Des créoles. Donc elles sont, je trouve très jolies, vous voyez, les créoles, voilà, avec des triangles bleus. Donc là, il nous explique comment les faire. Hein. Un gris-gris, ouais, bon, je trouve qu'il ne casse pas des briques, hein. Voilà. En plus, ils disent intermédiaire, non, je dirais plutôt que c'est débutant. Un bracelet fossile, oui, voilà. Bof. Un collier western, ah là oui, c'est déjà plus joli. Voilà. Hop, 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 voilà. Un collier western, donc il y a toute l'explication. Une décoration pour mettre sur un carnet. Alors, pour faire un cerisier, ça c'est joli. Hop, alors, est-ce que, voilà. Et celles qui ont l'habitude de faire des bullet journal, tout ça, ben, c'est une bonne idée de décoration pour le carnet. Et on nous parle en univers fimo de Alison Coad. Voilà, alors est-ce qu'elle a... je ne sais pas si elle a... Ils disent pas qu'elle a une page Facebook ou un blog, ils ne disent rien sur elle. Ils disent juste qu'elle est... Aujourd'hui, elle est professeure de FIMO. Voilà, donc... ah si, elle a un blog. Voilà, alisoncoad.com/blog. Voilà, tout simplement. Donc elle fait des jolies choses. Voilà. Son collier par exemple. Donc elle est professeure de fimo, voilà, a fait de sa passion son métier, donc c'est vraiment pas mal.
Ensuite, donc j'ai eu le numéro 11. Donc en cadeau, si je ne me trompe pas, on a eu du vernis. Je vais vérifier, mais je pense que c'est ça. Un flacon de vernis, voilà. Spécial Fimo, bien sûr. Et un demi-pain de Fimo, numéro 39, menthe poivrée. Voilà. Donc ça fait un peu turquoise. Donc comme d'habitude, ils expliquent le matériel qu'on a eu. En technique, ils nous parlent des bases du modelage, donc la boule et le boudin. L'exercice de la semaine, c'est cette coupelle à bijoux en forme d'ananas. Très, très mignon, bon, c'est assez simple à faire. Ensuite, il nous montre une bague trop chou. Voilà, une bague avec un chou. Donc une gourmandise, bijou gourmandise. Customiser une tasse. Donc, tasse life. Hop, 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 là. Oh, j'aime bien ça. Les boucles d'oreilles coquelicot. Je les trouve jolies. Un jeu de domino. Alors, fruité. Ça, c'est pas mal. Bon, il vous faut beaucoup de pâte noire, hein, si vous voulez faire le jeu en entier. Mais c'est une bonne idée. Alors, la poupée kawaii, donc ça va être une broche geisha. Mais je trouve qu'ils ont un drôle de visage, la poupée kawaii. Voilà. Hop, pardon. Alors, oui. Pour les dominos, en tout, il faut en faire, si on veut faire le jeu complet, il faut 28 pièces. Donc, il faut faire 28 dominos. Donc, vous voyez, il faut vraiment pas mal de pâtes. Et en univers Fimo, on nous parle de Jo Patouille. Donc, c'est Jo Moncho. Donc, elle est sur Facebook. Donc, sa page Facebook, c'est J'aime Patouiller et Bidouiller. Voilà. Elle fait de jolies choses, je trouve. Et elle fait la Fimo depuis 2012. Voilà. Et elle fait vraiment de très belles choses, je trouve. Regardez. Vraiment très très recherchée. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc le prochain numéro qu'on aura, alors là on va avoir un seul cadeau, puisque ça va être un pain de Fimo entier. Effet, alors ça va être un pain de Fimo Effect pierre granit, voilà celui-là, hop. Et donc on va faire des bougeoirs avec ça. Il y aura aussi là, des colliers, des boucles d'oreilles tasse à café, voilà. Mais bon, celui-là sort demain, donc je verrai si j'ai le temps demain d'aller le chercher. Donc pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, on va faire donc celui-là, je vais le ranger pour l'instant. On va faire la petite tartelette, pourquoi pas. Donc, je dois avoir un mini bocal quelque part, mais bon, ça, ce sera, je le ferai par la suite. Voilà. Je regarde qu'est-ce qu'il me faut. Alors, il me faut une ligne de Fimo Sahara, donc G. Il me faut de la Fimo blanche, G. En porte-pièce rond, j'en ai. La lame rigide ou un couteau de cuisine. Alors, si vous utilisez un couteau de cuisine, prenez bien un couteau qui n'a pas de dents, hein, un couteau lisse.
Un cure-dent ou une aiguille poisson. Est-ce que j'ai sous la main mon aiguille? Ouais, moi je l'ai là. Allez, viens par ici. Voilà. Ah, oh, maintenant ça c'est mon crayon. Voilà, moi j'ai ça. Mais sinon, un cure-dent, hein, ça va très très bien. Des pincettes de précision. Alors, ma pincette de précision, moi j'ai celle-là, j'en ai d'autres. Voilà. J'ai un strass qui est collé dessus. Voilà. Du vernis brillant, bah, du coup, on a celui qu'on a eu pour l'autre vernis, un mini bocal et de la colle. Voilà. Écoutez, bah, je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite. Nous revoilà. Alors. Pour démarrer, il nous demande de couper une demi-ligne de fimo. Donc il va m'en falloir une demi encore après. Donc ben, je vais en prendre une complète maintenant. Voilà. On verra si j'ai assez, sinon je recouperai. On fait comme d'habitude. Alors, quand j'ai fait ma boule, avec mon rouleau, je vais l'étaler. Alors, il faut qu'elle fasse 1 mm, hein, sur 5 cm. Mes deux côtés. Il me faut la même chose en blanc. Voilà. On malaxe pour la ramollir. Donc là, il faut qu'elle fait 4 cm. Mais il faut qu'elle fasse 2 mm d'épaisseur. Il faut qu'elle soit un petit peu plus. C'est bon. Qu'elle soit un peu plus épaisse. C'est bon. Je reprends ma pâte. Donc on va mettre les deux l'une sur l'autre. Voilà. Et avec votre emporte-pièce, vous allez faire votre tarte. Voilà. Vous enlevez ce qu'il y a en trop. Tant que c'est pas mélangé, moi je récupère tout de suite. Hop, voilà. Voilà, là j'ai la base de ma tarte. Donc je tourne ma page parce que je veux faire ce qu'ils nous disent. Hein. Voilà, malgré que bon, je sais le faire, mais. Donc
Je vais voir si j'ai assez avec la pâte que j'ai, il me reste. Donc, je fais un boudin. Donc là, la pâte Sahara. Je suis pas sûre. Bon, je vais prendre un petit bout. Un tout petit bout. Voilà. Donc là maintenant on doit faire une bande. Alors en largeur elle doit faire 1 cm, en longueur elle doit en faire 12. Donc on va essayer. Ah, et elle se casse. Ouais, je mets 12 cm, mais ils disent en épaisseur. Oui. Donc on va la faire droite. Donc ensuite, avec le cure-dent ou donc avec, alors découper une bande. Ah, elle doit faire 5 mm, donc je dois encore couper. Oui, moi elle fait 1 cm. Trop bête. Donc, on va encore couper. Ça ira, hein. Bon, ça devrait aller. Et là, on va faire des stries sur la bande. Assez régulier si possible. Voilà. Donc là maintenant, on doit poser ça. En essayant de ne pas la casser. Et voilà, je l'ai cassé. Bon. Autour de la tarte. Avec un peu de chance, j'en aurai assez.
Oui. Coupé plus en trop. Voilà. Désolée, on a une coupure, ma carte était pleine. Donc je me suis un petit peu avancée, j'ai commencé à couper mes fruits, il me reste à finir de couper les fraises. Voilà, alors j'en ai déjà 3, 6, 8, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, encore un petit peu. 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, j'ai toutes mes fraises, tous mes citrons et tous mes kiwis. Voilà. Donc, maintenant. Quand on a tout coupé, ben, il suffit. Alors moi, ce que je vais faire, qu'ils ne disent pas de faire, mais bon, c'est moi, je fais. Vous voyez assez, oui, je pense. J'espère que c'est pas flou. Alors moi, je vais mettre un peu de fimo liquide. Voilà. Comme ça tient bien. L'étaler. Alors ça va. Je serais sûre que mes quartiers de fruits ne vont pas bouger. La fimo liquide, ben, sert un peu de colle si, à la cuisson. Hein. Voilà, je vais en mettre un petit peu sur le quartier. Oups là. Voilà, on va faire pareil. Et voilà. Donc, j'ai pas de papier. Bon, tant pis, je sèche les mains. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je fais un quart kiwi. Et le reste, alors, non, celui-là n'arrivera pas. Non, pas avec la pince. Je vais peut-être rallumer. Je sais pas si vous voyez assez. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Bon. Donc là, c'est un petit jeu de patience. De mettre toutes vos tranches de fruits. Hop là, j'en perds une. Alors, de l'autre côté, je mets mes citrons.
Après, on met les fraises. Bon, je vais essayer de tourner un peu ma tarte sans l'abîmer, si possible. Là, ici sur la lame, ce sera plus simple. Alors, les fraises, c'est plus compliqué. C'est plus petit. Ah, des fois, la fimo, c'est un jeu de patience. Hein. Viens là, toi. Ouh, j'ai une récalcitrante, elle veut pas venir. Non, elle veut pas, hein. Bon, tiens, je t'aurai après. J'en prends une autre. Il va me rester les fraises. Bon, c'est rien. Voilà, mes fraises sont mises. Maintenant, alors là par contre, il va mettre des citrons. Donc on va mettre les citrons. Voilà. Donc bon, il va me rester quelques fraises, mais ça c'est rien, je vais les mettre dans une boîte. Voilà. Donc voilà, je vous montre. Voilà ma tarte et son petit quartier. Donc je n'ai plus qu'à les cuire et après les vernir. Donc je vais mettre sur la plaque du four. Si j'arrive à me lever, parce que je suis coincée là. J'ai une sciatique et puis voilà. Dès que je suis 3-6, ça va pas. 3-6, ça va pas, trop debout, ça va pas, trop couché, ça va pas. C'est la galère. Voilà ma petite tarte. Mon petit quartier de tarte. Voilà. Donc quand c'est cuit, ben, il me restera plus qu'à les mettre, à le mettre sur un petit bocal. Voilà. Ben, on va faire un autre truc, tant qu'à faire. Hein? Je débarrasse un petit peu, on se retrouve tout de suite. Thank you.
Alors, là, je vais juste vous montrer comment on peut se servir des pochoirs comme ceci. Voyez. Donc, c'est les pochoirs à pâte polymère. Voilà, c'est de chez Graines Créatives. Donc là, on peut les utiliser de différentes manières. Soit avec, là aujourd'hui je vais pas vous faire avec la peinture acrylique, je vous ferai une autre fois. Aujourd'hui je vais vous la faire avec la poudre Fimo, celle-ci, hein, donc on va utiliser la dorée. Et donc vous montrer comment on peut faire des dessins sur la pâte pour faire un joli médaillon, faire ce qu'on veut, voilà. Donc d'abord, je vais prendre une pâte où on verra bien le motif. Alors là, je vais utiliser de la cernite. Ben, je vais prendre la noire, voilà, tout simplement. La noire, c'est ce qu'on verra le mieux. Avec le doré, ça fera très très bien. Donc, je vous rappelle que la cernite se cuit à 130 degrés. Alors celle-ci en plus est très belle, c'est la glamour. Elle est un peu brillante dedans, donc elle est super belle, j'adore. Je sais jamais ouvrir les paquets moi. Par contre, je démolis les paquets à chaque fois, c'est une catastrophe. Mais bon. Alors je ne pas combien je vais avoir besoin vraiment. Je vais prendre ça, je pense que ça ira. Voilà, donc là, bon, je pense pas que vous pourrez voir, mais il y a un effet de brillant dedans de mica et c'est vraiment très très joli. Donc comme d'habitude, bah, on va la travailler, hein. Donc la cernite est toujours en promotion, je crois, hein. Chez Créa. Oh, j'oublie toujours le nom de cette boutique. Je vais vous le remettre en barre d'infos. En même temps, je vous mettrai mon parrainage, comme ça vous pourrez avoir une réduction. Mais la réduction ne fonctionne pas sur, sur la pâte cernite. Bon, ça se comprend puisqu'elle est déjà en promotion. Alors, bon, pourquoi elle casse? Allez, on va y aller petit bout par petit bout. Alors, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Vous voyez cette boîte là, voilà, dans quoi j'ai mis les restes de mes cannes fruits. C'est des boîtes que j'ai trouvées à Cora, je crois. Ouais, je crois que c'est à Cora. Vous savez, des fois quand ils font des stands là, de trucs de bricolage, tout ça, donc elles étaient à 1 euro, je crois. Plus de force dans les mains. Une catastrophe. Allez, allez, allez. Mais pourtant, c'est pas des vieilles pâtes, hein. Je comprends pas que. J'ai les mains froides, alors c'est peut-être ça aussi. J'en ai profité pour pendant la coupure pour sortir mes poilus. Je leur ai fait prendre le bain aujourd'hui. J'étais encore plus mouillée qu'eux. Oh.
J'ai ri, mon Yorkshire, ça a été à peu près, il est resté à peu près tranquille, mais alors mon petit vieux, mon bichon, oh, il hurlait à la mort. Oh, si les voisins l'ont entendu, ils ont dû croire que je le battais. Je sais pas pourquoi. D'habitude, il ne me fait pas ça, mais bon. Bon, ma patte, là, je voudrais bien que tu te réchauffes. Ah ouais, il hurlait à un point, mais je dis, mais ça y est, je dis, il devient fou, quoi. Il fallait bien le laver. En plus que c'est un chien blanc. Je vous dis pas. Bon, bah, j'ai du mal, hein. Je vais continuer à pétrir ma pâte. Je reviens tout de suite. Parce que sinon, on va en avoir pour 1 heure. Voilà, ça y est. J'ai réussi à ramollir ma pâte. Voilà, je vais déjà passer le rouleau. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je vous dis, je crois que c'est parce que j'avais les mains froides. Voilà. Donc elle est vraiment très belle cette pâte. Donc, on va utiliser nos pochoirs. Donc ils sont super fins, vous voyez. Allez. Vraiment très très fins. Alors, on va utiliser lequel? Je remets sur le blanc. Ah, il y a beaucoup de détails peut-être. Voilà, celui-là. Donc en plus, ça tient super bien sur la pâte. Voilà. Donc là, moi, je vais mettre avec un pinceau. Vous voyez ma poudre Fimo dorée. On en met bien partout. J'adore travailler ces poudres Fimo. Donc elles existent en, alors je pense ne pas me tromper, elles existent en 3 couleurs. Moi j'ai les 3, en argent, or et cuivré. Je pense pas qu'il y ait d'autres couleurs. Voilà. Par contre, on referme bien tout de suite son truc parce que si ça tombe, c'est mort. Hein. Voilà. Et on va retirer. Voilà. Donc ça, on va le nettoyer tout de suite hein, après. Et voilà ce que ça vous donne. Regardez. Et on a vraiment les détails incroyables. Alors soit vous coupez en carré, soit vous faites en rond. Donc moi j'ai peut-être bien envie de faire en rond. J'ai vraiment plus beaucoup de lumière, alors je vois pas très bien où je suis.
Donc la pâte qui vous reste avec qui est encore un petit peu dorée, c'est rien. Vous pouvez la remalaxer, bah, vous aurez un peu de doré dedans. Hein. Donc, voilà. Alors, j'ai ma table qui est pas droite, c'est tout qui roule. C'est mignon. Voilà, vous voyez. Je vous remontre. Voilà ce que ça donne. Vous voyez le détail. C'est super fin. Hop là. Alors, j'arrive plus à trouver mon. Voilà, j'y suis. Donc, ça, on va le mettre aussi sur le plateau. Comme ça, on le fera cuire. Alors, je vais faire un petit. Je vais percer. Voilà. On va en refaire un. Donc là, vous voyez, en plus, vous voyez, j'ai passé mes doigts dessus, ça s'efface pas, hein, voyez. Donc là, j'ai ma main. Un peu toute brillante. Je nettoie tout ça, j'arrive. Alors, comme elle était encore dure, hein, j'ai mis la pâte 10 secondes dans le micro-ondes et là, elle va tout seule à travailler. Allez. Donc, comme j'ai fait le rond pendentif, ben, je vais faire les boucles d'oreilles, tant qu'à faire. Voilà. Bon, j'espère que la pâte va aller. Un petit défaut là derrière. Mais... Là, viens là, toi. Alors là, bien sûr, les ronds vont être plus petits. Je regarde si ça va aller. Voilà. Voilà. Donc c'est bon. Alors, j'ai comme les défauts avec mon doigt. On voit bien hein, le mica. Regardez. Vous voyez? Vraiment génial cette pâte. Donc là, comme je fais un ensemble, on va refaire la même chose. Un petit peu pour que vous voyez mieux.
Donc cette technique, vous pouvez la faire aussi avec la peinture acrylique, des encres, je crois. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux utiliser des encres à l'eau, sinon votre pochoir, ben, il est mort. Alors là, le souci, ça va être de faire coïncider. Voilà, comment je vais faire? Parce que là. Bon, j'espère que je ne me trompe pas. Bien sûr, Edith, si tu mets ton bouchon en dessous, ça va le faire. Alors, je veux essayer de faire coïncider. J'espère que j'ai réussi. Voilà. Et bon, vous voyez. Bon, là maintenant je vais passer mes ronds de façon que l'on voit. Qu'on voit pas trop les raccords. Contre les paillettes, c'est bien, mais alors. Alors. Deuxième. Voilà. Ça va, vous voyez. Donc, il va falloir que je fais mes trous, mes pré-trous pour passer les anneaux. Je ne vais pas déformer.
et la deuxième. Voilà. La parure est prête. Donc là, ça, ben, il va me rester des petits bouts. Donc soit ce que je peux faire, parce qu'on n'est pas coupé, hein. Il me reste encore de la batterie. Désolée pour le bruit, hein, mais je suis dans mes... Voilà, des mini ronds, tout petits ronds, petits. Ou une étoile. Une étoile, est-ce qu'elle va me prendre... Une étoile avec un rond? Non. Un peu de goutte, je verrais bien si je m'en sers pour celui-là. Si je m'en sers pas pour celui-là, ça vient, je m'en servirai pour autre chose. Des petites gouttes. Voilà. Donc pareil, hop, ça partira à la cuisson. Voilà. Et le reste, bah, on peut mélanger, faire et on fera des billes, des perles, voilà, on verra. Je vais le repasser un petit peu. Ouais, il fait vrai. La température est pas bonne dans la maison, ça doit être ça. Donc je vais repasser 10 secondes au micro-ondes. Alors 10 secondes pas en cuisson, hein. 10 secondes en décongélation, parce que sinon votre pâte là va être dure, on n'aura pas l'effet recherché. Donc voilà, bon, ça je vais m'en occuper plus tard. Je vais mettre ça, tout ça à cuire. Voilà, donc au prochain numéro, bah, vous verrez les bijoux que j'aurai terminé, fini et monté. Et la tartelette qui aura été collée, ben, sur un mini bocal ou sur autre chose. Voilà. Donc, ben, pour l'instant, on met tout ça au four. Et on se retrouve demain pour la suite. Voilà. Je vous dis à demain. Je vous montre la suite de cet exercice de Fimo. Et puis aussi, on fera d'autres choses. Promis, juré. Voilà, demain, oui, je vais travailler de la Fimo demain, parce que j'ai une commande à faire, absolument. À chaque fois, ça, je reporte, mais là, je ne peux plus reporter. Donc, on va faire ça ensemble, et comme ça, vous verrez tout. Voilà, et puis, je vous montrerai, donc, si j'étais chercher le numéro 12. Je vous fais à tous
Des gros gros bisous. Bah, vous n'avez pas vu Fifi là. Mais comme elle a vu que j'ai lavé les chiens, elle a dit, je reste dans le panier, je serai mieux. Malgré que je la lave pas, hein, je lave pas le chat, je la brosse, mais bon. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais à tous de gros bisous. À demain. Bye bye pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.